pas comment ça va. C'est un privilège incroyable pour cette première édition en France. Vous avez le numéro 1 mondial qui vient de gagner Wimbledon il y a quelques jours. Comment t'expliques que le bonhomme ait accepté de venir littéralement 4 jours après sa victoire? Alors écoute, ça fait de nombreux mois qu'on travaille avec Carlo sur sa venue à la Hopman Cup. C'est quelqu'un de bien, c'est un joueur exceptionnel, je pense qu'il va vraiment écrire l'histoire du tennis. On verra bien, hein. Tu sais, on fait tous des prédictions, mais il a des qualités exceptionnelles et des qualités humaines exceptionnelles. Tu as raison de le préciser. Il vient de gagner Wimbledon. Il y aurait beaucoup de joueurs, à mon avis, qui auraient peut-être pas refusé parce qu'ils ont un accord avec nous, mais qui n'auraient peut-être pas honoré leur parole. Il a honoré sa parole. Merci à son agent également qui a fait en sorte que cette participation pour cette première édition de la Hopman Cup ait lieu. Il joue tout à l'heure quand même sur notre centrale. Mais tu sais quoi, c'est quelqu'un qui est apprécié, c'est quelqu'un qui est très bien élevé, qui a des valeurs humaines exceptionnelles. C'est aussi pour ça qu'il est impliqué sur le terrain, qu'il est agréable à voir sur le terrain. Il y a toujours du plaisir, bien sûr qu'il y a de l'attention. Hein. Tu joues une finale de Grand Chelem contre Novak, tu te souviens de la demi-finale à Roland-Garros aussi, qui n'était pas facile, mais c'est quelqu'un de généreux et c'est quelqu'un qui a une parole. Puis, je vais me permettre de mettre aussi en avant Ténium, si tu veux, parce qu'on travaille avec lui sur l'ensemble de nos tournois. Barcelone, Carlos viendra à Barcelone. Hambourg 2024, on a annoncé également Buenos Aires 2024. La Hopman Cup qui a été négociée il y a très longtemps, il est là. Merci beaucoup à lui. Quelle machine. Machine, toi et lui. Incroyable. Lui surtout, t'inquiète pas. Ah!
Donc la Hopman Cup, en français Coupe Hopman, en hommage à Larry Hopman, ex-joueur australien, est une épreuve de tennis mixte du calendrier ITF. La Coupe Hopman est l'une des rares compétitions officielles proposant des rencontres de double mixte avec les quatre épreuves du Grand Chelem et les Jeux Olympiques. Et après s'être déroulée sur dur entre 1989 et 2009, chaque année fin décembre ou début janvier à Perth en Australie, le tournoi disparaît puis est recréé en France, ici même sur la terre battue niçoise.